de pași. Pofim de pași. Profil de pași. Profil de pași. Profil de pași. Profil de pași. Merci Marcelin, notre producteur. Merci infiniment, chers téléspectateurs, d'être débranché l'émission pour la journée d'aujourd'hui. C'est bien Profil de page. À ne pas oublier à 7h, pas qu'il y a notre rendez-vous. Émission pour la rentrée de la CAO. Mando, déjà, installez convenablement pour voyager avec nous. Parce que jeudi, encore une fois, nous avons une émission qui est très spéciale. Et nous sommes capables de remarquer que l'émission, ça, comme nous avons un le monde qui justement a appris nous, qui a demandé comment que. Émission à bouger, c'est d'encourager nous, c'est à nous apprécier ça. C'est extrêmement important pour nous. Et nous avons excusé nous auprès de nous-mêmes, c'est un téléspectateur qui toujours était patient, malgré qu'il y ait un show qui est diffusé à plusieurs reprises. Mais on connaît à force de l'activité au studio aux États-Unis, et parfois nous n'étions pas capables de répondre à besoin, à rendez-vous convenablement. Alors nous présentons excuses, nous croyons qu'on va comprendre, nous croyons qu'on comprend la situation ici, pas bon, ici aux États-Unis. Alors nous remercions infiniment pour ça. Continuez avec nous. Joël, jeudi, encore une fois, prestataire pour la, André Lacao, pour porter l'émission pour la peau. Jeudi, nous comptons qu'un invité avec nous, qui va le partager un pile bel sujet avec nous, sur la politique, sur un pile l'actualité, parce que c'est un très bon ami, journaliste en Haïti, qui travaille au niveau de télévision en Haïti, à Megastar plus précisément, c'est bien Lamonge Wilbert. Lead de passage ici aux États-Unis, et pendant ce temps, on a nous-mêmes, quel que soit grand personnalité, que nous, mais nous tombons sur eux, nous ne sommes pas capables de voter au barreau, chers téléspectateurs. Mais jusqu'avant que nous tombions dans ensemble de discussions, de quelques petits parler, nous pourrions le faire avec Wilbert, nous pourrions le partager en passé avec eux. Vous ne devez pas, sans aucun prétexte, permettre à votre esprit de s'attarder sur toute pensée qui n'est pas positive, constructive, optimiste et aimable. Il est extrêmement important, chers téléspectateurs, leur penser de façon positive. Penser de façon pessimiste, parce qu'il y a un peu de monde qui parle, qu'un peu de bagarre est arrivé. Mais leur enrichir connaissance avec, peut-être plus précisément, aider le cerveau à penser de façon positive, cerveau à plus content, cerveau à développer plus bien. Chers téléspectateurs, je ne veux dire, comme quand pile belle bagarre qui a passé, un pile actualité qui a passé surtout aux États-Unis, en Haïti et Boycid aux États-Unis, surtout à New York, nous avons un pile point que nous allons partager avec vous. En premier lieu, nous prenons le chita sur un incident qui était passé en Haïti, côté grand pile Timoun qui était indisposé, qui était tombé, soi-disant quelques monsieur étaient vendus en feuille, qui, basé sur des textes bibliques, qui ont une approche biblique, mais. Bagasse a été fait en pile, fait en pile par en pile en Haïti. Et, chers téléspectateurs, nous connaissons que période ça, c'est période électorale en Haïti. Deuxième tour pour le frapper, deuxième tour pour le commencer. Après, nous avons pile de informations, pile de parler, nous pourrons le faire, surtout avec personnel ça, comme avec nous là. Jusqu'à après cette petite pause, chers téléspectateurs, nous avons besoin de débrancher. À tout à l'heure. Passez page là. Passez page là. Passez page là. On aime c'est Michel Blaise. Très à l'aise. Très à l'aise. Faut me passer la profil de page. Passez page là. Passez page là. Profil de page. Passez page là. Let's go. Passez page là. On peut juste dire ça. Quel que soit. Musique. Magasin. Pour son souffle dans la vie. La game de profil de page est du sold out. Mon love. Il n'y a pas de doute que l'art atteint sa plénitude quand la bonne poésie se met en symbiose avec la musique.
C'est exactement ce que Créole TV NYC et Combat Guide vous proposent le samedi 100 décembre. Au menu, la poétesse Kerta George et la formation musicale Skacha No. 1 de l'inégalable Cubano. Dès 9h30, les amants et faits connaisseurs de l'art seront attendus à Chemiré Restaurant, logé au 170 Post Avenue, Westbury, New York. Admission, $40 à l'avance. Pour info, appelez au 718-949-77-72, 347-539-62-33, 516-351-19-98, 516-351-19-99. Croyez-moi, la fête sera belle. Nous sommes de retour, chers téléspectateurs. La première soirée infiniment jusqu'à après cette petite pause où toujours été patient pour assister à l'émission par là encore une fois. C'est bien Profil des pages. À ne pas oublier que l'émission ça ligue en support d'Ekababdi qui est très valorisant au niveau de commanditaire qui c'est Five Night List. Five Night List, chers téléspectateurs, pour vous-même qui faites un délit, c'est nous capables de comparer, c'est un website côté que vous capables poster ou capable vendre ou bien acheter des produits. Par exemple, si nous faisons un exemple de eBay ou qu'on eBay assez bien ou qu'on Google assez bien, qu'on est capable d'afficher information, hein, afficher quelques photos et puis publier lui-même pour le faire connaître avec qui pour justement choisir, garder, s'il remet, pour recevoir quelques calls ou bien tout. Si ou même tout comme bagage qu'on remet tout capable de chercher sur 509list.com, 509list.com. Alors, chers téléspectateurs, qu'on est là, nous allons tomber dans des pages non pas sérieuses. Pages côté que nous allons recevoir. Invitez-nous du jour, c'est bien Lamange Wilbert. Nous allons recevoir invité du jour, c'est bien Lamange Wilbert. Il est là avec nous. C'est un grand journaliste qui a travaillé longtemps dans le domaine de télévision, en radio en Haïti. Et actuellement, il travaille à l'intérieur de Megastar, télé, radio et télé Megastar. Wilbert, nous disons. Merci d'être venu pour l'invitation. Je vous dis à mon ami Profil des pages pour partager quelque chose avec les spectateurs. Joël, c'est un plaisir pour moi d'être avec nous ici dans New York pour nous présenter ensemble chose qui est très regardée, ni sur Webla, ni sur Cablevision, Channel 115, qui c'est Profil des pages. Et alors, tout plaisir, c'est pas pour vous, c'est pour moi. Alors, vous connaissez l'intérêt de Profil des pages, c'est comme ça. Nous sommes une famille, c'est la famille. Nous réunis ensemble, pas que deux amis. Nous parlons pas parler ensemble, pas que deux amis, à côté de l'actualité. Wilbert, parlez, faites connaissance avec les téléspectateurs, parlez des téléspectateurs de vous-même, de carrière, de expérience. Non, pas moi, c'est Lamange Wilbert, je travaille dans le domaine radio-télédiffusion en Haïti depuis 1991. Moi, c'est un fils de PVS Communication. C'est là que je fais technique et journaliste dès le début des années 90. C'est télévision que je fais premier à moi tout. De là, je grandis dans le domaine radio-télédiffusion. Je suis venu travailler pour après pour Radio-Télé-Guinée dans le début comme responsable master contrôler et au niveau technique. Et de là, je suis venu quitter mon parti pour République dominicaine, côté je travaille pour Sport Vision avec un monsieur qui était le bien-aimé, qui était une émission là-bas. Ce channel Sport Vision que je produis, même j'ai gagné un profil de page là-bas ici. Ouais. Et puis de là, je suis retourné en Haïti parce que je me sentais bien pour me travailler là. Moi, je suis retourné à Télé-Guinée que je devais laisser par la suite pour Télé-Mégastar, qui c'est petit moins, qui c'est télévision par moins. Ouais. Et hors de directeur général, les gens, ils disent Charles côté que la donne, on peut pas distinguer Wilbert Lamange, qui c'est soit technicien, soit journaliste, non, qui fait le tout. Et Galango, c'est censé carrière pas moins, branche pas moins, jusqu'à nos jours, c'est là que je toujours travaille. Chaque homme qui vient ici, c'est pour un petit bout de temps. Et Gal, de ce fait, c'est un plaisir pour moi, pour moi, avec une populaire des pages. Pour, bon, en bref, de, j'ai actualité politique là, hier, en Haïti et je suis toujours très fier depuis mon passage ici pour me faire ça avec vous. C'est bien, merci infiniment, Wilbert, d'être là encore une fois avec nous. Et je suis capable de remarquer les chers spectateurs, c'est un monde qui mange un journaliste, qui boit un journaliste, qui fait tout ça, fait justement avec idéologie, journalisme. Chers spectateurs, nous allons recevoir Wilbert en premier lieu.
nous pourrions parler. Comme Hulbert lui-même était en Haïti pendant la période, côté, pendant grand incident, ça a été passé, pas vrai, dans l'école, à côté que quelques messieurs en blanc qui devinent vendre quelques timounes, quelques élèves, des feuilles qui ont des textes publics là-dedans. Les timounes, ça va pas être bien disposé, etc. etc. pas qu'un bagage qui était passé. Alors, nous croyons que Hulbert lui-même était en Haïti, quand il vivait incident, il pourrait partager justement comment bagage ça a commencé, comment incident ça a été passé exactement. Bon, histoire là, c'est qui ça il s'agit. C'est trois messieurs, effectivement, trois jeunes éléments, vertus presque de blanc, et on ne pas dire de crème, parce que il y a une qui a un pantalon qui n'a pas de fin à fait blanc, qui était venu, qui t'a vendu des feuilles. Feuilles, ça, c'est qui feuilles que tu es. C'est des feuilles, côté, quand jeune là, bon, comme des cadzoli, des passages bibliques, des notions bibliques. Mais des notions bibliques que couramment qu'on joue plus dans ensemble une société qu'une décadie qui fait instruction et au niveau société secrète. Tu as qu'on aime des sociétés secrètes, l'on prend au niveau de la franc-maçonnerie. Et puis nous te joignons tout avec une série de définitions que bibliquement que nous pas joignons couramment dans l'école. Yo. Okay. Mais par contre, aussitôt que monsieur était venu au premier jour, il était essayé tenter de vendre feuilles, ça, yo. Mais qui n'allait pas fin trop marché. Mais dans le lendemain, il est venu au vendre feuilles, yo, et sur le coup, il était joué un timon qui était manifesté par une sorte de crise, quand on joue un qui pas de crise, qui était des possessions. Il était une décadie qui est passé en transe. Quand on joue un timon, ça, tout gagnait, qui était. Non seulement passé en transe, mais qui t'a répété des bagages que même on pas traduit par langue créole. Okay. Et quand on joue tout, qui passé en transe, et puis qui t'a dit des bagages que nous-mêmes dans la langue créole, là, que nous connaissons très bien. Son fait qui était à l'armée, puis fort monde, ça t'est arrivé dans l'école, c'est Lili Lavoie. Et le lendemain, ça t'est arrivé dans l'école nationale encore. Really? Oui, qui t'est fait de très gros tollé dans la capitale haïtienne. Là. Côté que tout le monde en paniqué par rapport avec la situation. Mais son situation est, qui était très vite maîtrisée par la police et du pôle, qui sont une unité que la police fait mettre sous pied, qui travaille avec l'école yo, et qui est disponible pour tout établissement scolaire, yo, qui a fait intervention en ligne, qui a arrêté M. Sayo, qui est allé avec eux. Même là, nous connaissons la loi haïtienne, on va gagner qui a dit sur affaire. Et sorcellerie ou soit fait et lecture par feu biblique non forme qui t'a amené en manifestation ou autre. Mais jusqu'à date, et pour Evelyn Lila, c'est après lecture ou jeune Timounio qui était passé en transe qui a un problème que vous venez mettre là. Mais ça pas tellement été là. Nous avons invité les téléspectateurs à suivre comment ça a été à travers l'image là, que nous avons regardé là. Il a fait une idée et ça nous-mêmes n'avons expliqué là. On suivi ma jeune à Kawe. Le sang Jésus. Hier, mon taro, vina melo vin bon feye. M'di on va entrer hier. On va pas mon voisin m'gale moi dans salle de classe là. M'ba dire hein, on sort avec professeur, on fait sortie pour professeur quand vient dans salle de classe. Jodi encore retourner. Depuis à 11h moi encore. Yo vini au mandé permis pour aller dans salle de classe à Alvan. Yo entré au l'autre moment, m'gale moi tombé moi relève voler, il tombé, il est avant loi. Et l'homme nous prend, il a vraiment pas la voix, donc il est sorgé, il va pas parler la bagaille. L'homme garde moi tout pour ça là. Allô, maman.
C'est par rapport aux étudiants, nous-mêmes qui étudiants, ensemble des questions et réponses universelles et la Bible, nous traiter et puis nous mettre dans le feu, nous livrer, nous partager connaissances avec d'autres. C'est nous qui sommes à l'intérieur de l'université, nous traiter questions avec réponses. D'accord? Donc s'arrêter, nous passons direction université à vos courants, tout va arriver selon la justice. D'accord? Gosse sont déconnés. Moi, c'est ça, Jésus, nous connaît. Gosse cochon, elle écoute cochon. Moi, c'est ça, Jésus. Hé, gosse cochon, chien, mais monsieur. Moi, c'est ça, Jésus. Je me fais parler, tu ne veux pas parler. Pour être chaise, mettre choix, mettre chita. Avant d'aller, tu ne veux pas parler. On va faire une vote. Nous sommes de retour encore une fois, chers téléspectateurs. Merci d'être été branché ou d'avoir regardé quelques images qui s'est passé dans l'école. Surtout, Célie, il a va en Haïti, côté que de camp, il y a un incident, petit monde tombé, etc. etc. Dans demain, je vais aller dans l'école encore. Comme Wilbert Sotiri, il continue à vendre ça. Il fait ça, il faut pas qu'il impact sur petit monde. Faut pas qu'être bagaille. Comme Wilbert se parlait de question de société secrète qui plus ou moins utilisée ensemble de versets, ça, ensemble de paroles, ça. Nous avons aimé qu'on ait, est-ce que monsieur même qui devine vendre faire ça, yo, qui a connaissance de ensemble de secrets qui cachés derrière bagaille, ça. Bon, est-ce que vous êtes capable de dire ce que c'est esprit au fait, ou bien qu'on bagaille que vous même personnellement, vous devez faire à Timoun, ou bien c'est par manque de connaissance que vous avez. Jusqu'à là, je n'ai pas osé le droit pour aller pour me dire que, un, je connais ce que tu dis, je connais ce que tu fais, je connais la cause que tu as posée. Non, je n'ai pas osé le droit. Car il y a la police, et la police travaille sur le sujet pour enquêter auprès de monsieur. Et moi-même, ça me dit, entre autres, si oui, est-ce que monsieur te connaît? Il fait feu, là, tu as pas le fait. C'est il fait secondaire, ça, tu as pas le fait. Si oui, tu as connu, c'est très méchant de la part de monsieur. Mais si tu pas connu que tu as pas le fait, il fait c'est ça qui est à l'origine de l'IFA. Comme moi, tu as dit tout à l'heure, c'est des feuilles que tu vends ou bien tu utilisé dans des sociétés côté que nous avons dit secrète. Qui a fait des formations bibliques avec un compte de monde, une quantité de monde bien définie pour faire une série d'études approfondies. Est-ce que c'est un effet secondaire ça que tu as fait? Nous, traditionnellement, Bolakano, nous connaissons, nous disons qu'il y a des livres ou pas ouverts, qu'il y a des livres ou pas lits. Bon, moi-même, je n'ai pas adapté avec le sujet ça, okay. Mais est-ce que c'est à ça qui t'a entré en évidence? Un fait est certain, la dernière, où je viens des notions, des gens qui ont regardé sur l'écran, des parties, monde qui est habitué avec ça, nous relais et dossiers bibliques au niveau secret, des bagages qui en rapport avec et qui en rapport avec eux et qui ont manifesté point qui que Timounio développé. Ce que dans Timounio nous a regardé qui est ça nous même en Haïti vulgairement que nous relais qui gagne loi qui passe en transe cap du choix moi ceci choix moi cela OK ou joindre d'autres monde qui
qui parle l'autre bagaille et pour jeune l'autre petit monde tout pendant événement au lieu que yo ta gain loi ou bien au lieu que ta ouais c'est l'autre langue que gens l'autre a parlé ou jeune c'est comme une forme de rara y a marché y a chanté entre eux et comme ça veut dire y a chauffé ça a passé entre autres quelque part il y a un bagaille qui est mystérieux dans tout ça justement un bagaille mystérieux. Alors, comment on peut entendre, Richard, un spectateur, qu'on ne peut pas faire des choses qui étaient cachées, est-ce que M. Sao a fait ça par exprès, il a une connaissance de ça, plus précisément, et quel objectif qu'il a fait, nous ne connaissons pas exactement. Mais jusqu'à présent, je ne connais pas comment la police a réagi par rapport à M. Sao. La police réagit très positivement, il fait un devoir, il a arrêté M. Sao très sagement, fait monter machine à la veille pour interrogation. Pour le moment, pendant que je parle avec moi, je ne connais pas à date évolution. Okay. Parce que je suis quitté Haïti, moi. Okay. Et quand je suis dit, si ça arrive au niveau de la justice, et parce que si je nommer la justice, il nomme la justice. Et si je vais nommer la police, il nomme la justice. Je suis dit, qui ça fait suite de dossier. Mais ils ont fait un certain, la justice haïtienne beaucoup parée pour genre de dossier. Il est beaucoup parée parce que pas aucune loi qui dit. Et entre autres, M. Golifer là, l'autre monde qui vient de Golifer là, pendant un moment qu'il y a pour ouais, mais pas gagné qui fait. Est-ce que c'est un niveau d'âge bon, qui est vraiment mystérieux. Et non, le lendemain, dans l'autre école nationale encore, M. Alvan fait là. Et bon, pas M. Alvan, parce que M. était déjà dans la prison. Et selon les dits de monde qui était là, c'est même feuille ça qui tape circulé dans même l'école l'école. Ça. Qui vient à l'origine de l'école. Mais ça part, il veut passer dans l'autre école là. Non, il n'y a pas de monde, monde qui est venu vendre feuille. Okay. Mais un fait est certain que c'est une feuille qui était à l'origine du même événement. Et pour nous fermer avec ce sujet, oui, Bert, une dernière question, comme d'ailleurs, je t'ai souligné. Comme nous entendons, moi-même personnellement, des histoires, je nous connais. Là, ça m'a fait faire, tout petit, comprendre, ça me dit, nous ne connaissons pas en réalité. Mais au fil du temps, nous venons apprendre une histoire, ça. Nous connaissons que ce n'est pas la première fois, ensemble de bris, ça va faire en Haïti. Si nous rappelons bien, dans les années 82, dans les années 80, je vais le préciser exactement, il y a une question d'Elisabeth. En 82, il y a une question d'Elisabeth. Que c'est Elisabeth. Il y a une question d'Elisabeth, côté que pile parent, justement. À courir le principe de l'école, etc. Nous remarquons que c'est presque un bagage qui est similaire. Qu'est-ce que vous-même, personnellement, pensez que vous avez connaissance de base à Haïti? Qu'est-ce que vous-même, personnellement, capable de dire de ce passé? Mais, Fom Zoli, ce n'est pas une histoire qui est arrivée la première fois en Haïti. Alors, il est arrivé sous plusieurs formes. J'en dis en 82, le MDK peut-être gain 11 ans. Je dis encore en primaire. Me rappelez, moi, tu as une histoire d'Elisabeth. Côté que tu as dit, Elisabeth, son dame, a un seul tété. L'entrée dans l'école, et bon, toujours c'est l'école nationale. L'entrée dans l'école, côté que il prend tout le monde, et il tire sous l'île, courir, il passe une île, tout ne fait pas. Puis, il y a tout un tas d'histoires. Mais d'après le monde qui était jamais arrivé, c'est un pour te dire, il y a qu'un bien Elisabeth, ni pour te présenter. Mais chaque monde a une image de un personnage qui a été inventé. Jusqu'à mon âge, je n'ai jamais une image ou bien croisé avec un monde. Elisabeth. Mais ça a créé de grosses tensions à l'époque. Mais nous étions toujours dans l'île. Ce n'est pas la première fois tout dans l'école, parce que je me rappelle moi-même, moi j'étais dans le lycée Henri-Christophe, c'était M. Weston Emmanuel qui était directeur lycéen. C'est comme cela fait crise qui est tombée dans l'école. Là. Quand on joue une crise là, tout le monde tombe crise l'une après l'autre. Alors, dans la crise là, je suis pas un spécialiste dans la médecine pour me dire. Ça a enchaîné. Mais le plus souvent dans l'école, les gens qui ont une tombe crise ou des chances pour jouer plusieurs autres qui enchaînent qui prennent crise. De ce fait, ce n'est pas une histoire qui est étonnante. Mais dans la forme, ça a été arrivé avant hier là, en Haïti. Il était étonnant parce que vous jouez dans la forme, ça, vous jouez des gens qui ont pris les comptes chrétiens. Vous avez dit le sang de Jésus, vous avez manifesté la puissance divine. Et vous jouez l'autre tout, c'est loi qui est monté, garde qui est monté. Vous jouez l'autre tout, c'est garde champ qui est monté. Parce que vous avez chanté et autres. Mais par contre, c'est qui l'histoire liée? Est-ce que l'histoire là, en Haïti, c'est la première fois? Oui, sous forme ça, c'est la première fois. Côté nous jouons des mondes qui rentrent visiblement, qui a vendu des feuilles et qui déclenchent une telle procédure. Une telle.
problème. Mais par contre, est-ce que c'est fait là, effectivement? Moi-même, trop petit pour me donner l'argent de lui. Mais si mon yon vient faire l'argent, il fait avec une intention, nous-mêmes nous ignorons, moi pas condamné, c'est eux-mêmes seulement qui sont condamnés. Et quelqu'un soit formé, ici aux États-Unis, on a assez bien accès libre pour rentrer dans l'établissement, pour l'alphon impertinence pareil. Alors c'est pour montrer fragilité nous-mêmes en Haïti. Justement, à ne pas oublier que nous vivons dans un pays côté que quand pile manifestation par exemple, surtout dans la période, surtout période mois d'octobre, mois de novembre, etc. Décembre, etc. Surtout. Ok, surtout ces périodes que t'as quoi dire le vaudou justement quand pile manifestation, quand pile barrage, quand pile interrogation derrière ça, que nous même pas appelé justement aller trop là dedans. Et pour le moment on a fermé par ça, ok, parce que nous pas recevoir. Gilbert, en tant que pour parler de l'espace harcèlement, est-ce que parce que bon, notre page politique qui est cachée derrière Gilbert que nous avons passé devant là, plus précisément de l'élection en Haïti, chers téléspectateurs, comme nous connaissons déjà un pile bulletin qui est en train en Haïti actuellement, oui, c'est journée samedi 10 octobre pour là, réaliser justement deuxième tour élection en Haïti. C'est journée samedi 10 octobre là, ensemble matériel dit sensibio et non sensibio rentrer en Haïti, dans n'importe international à Port-au-Prince, et nous jeunes tout matériel lui ont rentré, qui t'a veut dire, selon dit conseil électoral, la date que y a recevoir, effectivement, il recevoir l'équipement, c'est censé fin prêt, disons pour 25 octobre, qu'a venu là, et au niveau de conseil électoral là, pour matériel ça, pour égal, il aura gain le temps pour distribuer matériel ça, on a ensemble bureau, centre de vote, qui puis reculer dans la capitale là et dans la ville de province, dans tout département autour, parce que faire élection en Haïti, transport matériel sensible, son bagage qui m'a en pile, mais en pile sécurité aussi. Nous t'ai assisté, et je n'ai qu'à garder photo image là, arrivé matériel ça dans la coupe pays d'Haïti. Mais comment, même personnellement, on trouvait deuxième espace tout pour l'élection en Haïti? Parce que quand il parle un peu de capote, un peu de bataille, question de la valasse, un peu de l'autre monde encore, justement, il demande pour annuler la première élection, etc., etc. Comment, même, on trouvait deuxième page électorale en Haïti? Est-ce que vous est-ce que Haïti motivé pour lui, ok, pour recevoir lui? Et premier tour, on est capable de dire élection présidentielle qui est pour faire très prochainement? Parfois, pas moi en tant que citoyen, pas en tant que journaliste. Là. Est-ce que Haïti, pendant ces dernières élections, que nous avons dit, motivation que nous avons joué dans la première fièvre électorale que nous avons gagné en 91, et même avant 91, l'époque élection pour Sylvio Claude, Gérard Gouguiot, est-ce que nous avons même fièvre ça? Nous avons dit, par ma voix, c'est non. Parce que de nos jours, nous ne pouvons pas assister en Haïti, il y a une forme d'élection, côté que toujours en pression. Ou je n'y a qu'un qui soit en majorité ou en minorité, et le plus souvent c'est les grandes minorités, qui disent élection non, pas possible, pas de élection. Mais pendant qu'il n'y a pas d'élection, il y a un ensemble de partis qui sont toujours là. Comme et quand on quitte des cas, que y a un parti politique qui dit lui-même n'est pas dans l'élection, mais il y a un candidat qui est inscrit, qui a mené une campagne, qui fait tout et autres. Il y a un ensemble de problématiques qui font pression sur la population qui n'est pas bien imbue de. Qui ça a dû faire pour la voter ou pas. Est-ce que de nos jours, j'ai élection en fait là, et population ouais clair la dernière, bon là, Bakadi, il n'est pas ouais clair, il est ouais clair, même t'as plus dit, entre autres, il est arrivé à un parti politique qui des fois a joué des coups de renard, moi même dit parti politique, qui a joué des coups de renard, qui a fait des ruses, et comme quoi, s'il est en faiblesse ou bien le papa, il jouer sous carton ça. Mais par contre, c'est pour procédure électorale là, il a avancé. À tort ou à raison, il a avancé. Moi-même, je vais faire mon porte-parole de KIPA. Pour la dernière élection qui s'est faite là, je suis là-dedans, je suis dans la rue, je suis tout gens à terre. Faut lutter contre les jeunes qui sont en train de voter. Hein. Nous avons dit non. Mais si c'est pour participation, je suis dans quelques grands monde. Quand même, nous, comme société, à participer quand même dans l'élection. Qui participe, qui participe. Égal de ce fait, forme nous t'a dit, l'élection qu'on fait là, en gros, il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça encore. Je ne suis pas capable de dire à 100% si il est pression, mais moi-même, pour moi, certain, en tant que citoyen,
c'est un ensemble de formes de pression. Parce que moun yo vin kounye, pa pral mouri pou moun. Dévouement que tu as gagné en 91, l'élection qui t'a mené à déboucher à Ariel, tu as une peur, tu dis pas le foncer de bagaille. Mais si c'est pour voter, ou chen moun yo, yo sorti, al vote partisan. Et en plus, l'élection, sa deuxième tour élection législative, ça pral vin là, qui pral marié avec l'élection présidentielle, ou pral jeune plus moun qui pral voter. Parce qu'il y a plus confiance, parce que bata la claire qu'on est là. Pas pral courir dit de plus confiance, parce que ensemble, candidats qui montaient plus que 50, combien de candidats, 52 candidats pour les présidentielles, je ne vais pas dire plus confiance parce que moi-même, si tu as dit, et dans la partie, l'ensemble de la partie, qui est-ce qui est président, je dis que je ne sais pas. Je ne sais pas si je ne sais pas faire un sondage là parce que pour moi, en tant que citoyen et même journaliste, là, tout le monde a eu une chance là, même si j'ai gagné pour l'élection au président Joseph Michel Martelly. OK, égal de ce fait c'est atteler au dans bataille là, c'est faire une campagne. Pour moi campagne là c'est pas ensemble de monde parce que nous rappeler nos campagnes et Jules Célestin et madame Miland Maniga et président Joseph Michel Martelly et qui chance atterrir et nous était quand c'était monde et ancien candidat Jules Célestin à l'époque qui gagnait et ça pas te permettre de gagner. Pour moi bataille là c'est jouer élection hein. Ça a sorti, elle est sortie. Convenablement, l'élection c'est 25 octobre, c'est ça? Ouais. 25 octobre. 25 octobre 2015, justement, pour aller gagner deuxième tour élection en Haïti. Deuxième tour élection en Haïti. Premier tour élection présidentielle, pour nous bien préciser. Et c'est bien ça. Alors, on a pas encouragé, ou même encore en tant que citoyen, quand même à le voter. Même si il y a peur, même si il y a tant de choses, etc. Parce que lorsque je suis là, voter, ou même personnellement, ou bien l'autre monde avantage, ou le monde a décidé. Fait passer, après mon temps, mais prend pouvoir, justement, divine, ça ne s'est pas passé parce que vous avez été là, ou l'autre monde, justement, fait bailler votre parole pour l'autre candidat. Ou qu'on juge, pas vrai? Ou capable de voir qui monde qui est capable de mener le pays là? Jean que vous avez supposé, sans pays là, t'as supposé marcher convenablement. On a un pile bon messe, pas vrai? Il y a un pile, parlant pile, un pile bagage, justement, qui est capable de faire nous-mêmes gagner un tas de confiance. Mais nous pouvons voter, nous ne pouvons pas compter sur vous, capable justement, changer le pays d'Haïti. Alors, j'ai dit à on a proposé encore une fois, demain avant qu'on finisse, nous allons parler plus de ça. À tout à l'heure. Chers téléspectateurs, nous apprécions la fidélité en pile à l'émission ça. Vous avez un commentaire, vous avez une analyse, vous avez quelques questions que vous voulez poser, pas négliger les producteurs, Jérôme Marcelin, dans 516-209-99-82-516-209-9982. Profil de page, une nouvelle émission, une nouvelle expérience. Après nous savons que dernièrement nous étions ici à New York avec chef, avec candidat à la présidence sur bannière gain l'espoir, c'est bien monsieur Jeff de Lucien. Nous allons quitter au vivre quelques images. On va retourner tout à l'heure. Nous avons avec nous monsieur Jeff de Lucien qui est candidat à la présidence. Tiens, est-ce qu'on peut présenter au pour public là pas beau ici dans la New York Cap Gado là. Jeff de Lucien, c'est vive Haïti, m'rete Haïti, fait à Pignon, 15 avril 1964. M'fait toute étude classique moi au Cap Haïtien et puis m'travaille dans factory qui était au Cap en tant que comptable et en 89 m'étudie Washington Bible College, après m'étudie Trinity International University qui c'est à Chicago également de 96 depuis 96 m'en retourne en Haïti. Et que moi travaille comme étant pasteur, président de la mission Baptiste Jérusalem. Moi-même, c'est un directeur de microcrédit, président de la Ligue des pasteurs de Pignon, président de la Fédération des pasteurs du Grand Nord d'Haïti. Monsieur Jeffrey, en tant que candidat pour le prochain quinquennat qui va venir dans la course électorale présidentielle, là, c'est comment vous êtes, ou même comme président de la République? Moi-même. En tant que qui gagne un gouvernement qui a traité peuple là tant que son père de famille, un père de famille responsable. Un président qui gagne pour objectif pour chasser le souci quotidien de la population. Nous devons commencer à la base. Nous avons un peuple qui n'a pas manger, un peuple qui n'a pas accès à de l'eau potable. Nous avons un peuple qui n'a pas besoin de soins médicaux, qui n'a pas l'école, qui n'a pas besoin de logement décent. Nous avons besoin d'un président qui traite le peuple là, tant que c'est petit lit, de sorte que
peuple est capable de devenir contemporain de tous les hommes et citoyen de tous les lieux. Est-ce que vous avez un plan pour sortir là, pour arriver à faire l'atterrir, pour faire le congrès, pour arriver président de la République? Non, plan pas maintenant pour que nous concentrer en pile sur l'autonomisation économique. Pour que nous concentrer sur Sam Sozola, qui c'est l'émancipation sociale, et puis sur sécurité sociale également. Mot clé, c'est sécurité. Nous t'arrêtons à ce que l'homme on a vivre en Haïti, ou sentir en sécurité à tous les points de vue. Au moins, manger, santé, éducation, caille, poumonerité, logement décent, que nous relais ça. Regardez, peuple a besoin de sentir que la vive dans le pays, côté que le gain accès à bagaille simple, ça, parce que la constitution relais ça, c'est droit. L'État reconnaît le droit de tout citoyen à l'alimentation, à un logement décent, à l'éducation et à la santé. Passage au journal à New York, ça signifie qui ça? Est-ce que ça t'a voulu dire pour diaspora ou gagnant programme ou qui inclut, qui pourrait inclure la donnée? Est-ce que ça t'a voulu dire diaspora pour ou dans l'élection, les peser fort? Définitivement, il voulait dire en pile bagaille. Il y en a premier bagaille, il voulait dire, c'est que moi-même, j'étais diaspora. J'étais passé 10 ans aux États-Unis, même j'étais passé là avec visa d'étudiant. J'ai étudié à Washington Bible College, Washington DC, et j'ai étudié à Trinity International University, qui c'est dans Chicago. Et puis surtout, j'ai un pile d'amis qui sont dans New York de temps en temps, j'ai toujours venu. Donc, je voulais faire diaspora qu'on est. Que ou pas parler d'un gouvernement abusant, un gouvernement qui seulement besoin de services, qui vive au dépens de son bail, et puis ou pas impliqué dans rien. Moi-même, je promets diaspora que je dépend de vous pour accompagner dans la campagne, et que je dépend de vous pour que je sois capable d'accomplir la vision que je gagne pour le pays d'Haïti. Au niveau de l'église protestante, Anissa, nous avons un pile pour pasteur, un pile leader religieuse qui présentait comme candidat à la présidence. Est-ce que vous retrouvez dans le groupe de leaders religieux Sao? Et c'est vous-même, c'est comme on voit ensemble de leaders religieux Sao qui présentait à la magistrature suprême de l'État? Nous faisons partie du G7, groupe de 7 et leaders qui sont dans le secteur protestant qui voulaient essayer de déboucher à une candidature unique. Moi-même, quoi son victoire? Parce que l'évangile a été mal prêché, comme si que ou pasteur, si que ou chrétien, on pas de participer dans la politique. Moi, quoi que ou un citoyen avant tout, avant même que m'te et pasteur, m'te un citoyen haïtien, et que grâce que bon Dieu déversé sous moi, m'pas penser c'est peut-être pas me le faire. Il fait pour que m'capable aider ou bien atteindre ou bien servir autant de monde que possible. Moi-même, penser son victoire. Mais nous avons un problème dans le secteur protestant, même si nous avons un problème dans le pays, c'est une crise dans le domaine de leadership. Moi-même, nous avons une crise, nous avons un problème. Les gens qui t'a doué représenter le secteur valablement, ils ont créé plus de confusion. D'ailleurs, nous n'avons pas une voix autorisée. Nous travaillons de sorte que nous sommes capables, à l'avenir, de gagner une voix autorisée pour ne pas dire si là dit, c'est lui-même qui est secteur protestant, ça dit, c'est secteur protestant. Le problème, non, c'est que nous n'avons pas gagné une voix autorisée dans le secteur. Il n'y a pas gagné un monde qui a dit oui, c'est secteur. Par exemple, lorsque nous avons organisé G7, c'est une commission. Quelques monde qui mettent tête ensemble qui dit comme ça, nous avons une commission de médiation pour que nous capables d'essayer ouais, si nous avons abouti à une candidature unique. Mais qui moun ki ka di ose le di que ça c'est secteur protestant, yo pa gen droit ça, nou pa gen voix autorisée jusqu'à présent. Non, moins que quelques jours là dans mois d'octobre là qui c'est pas le 25 octobre, c'est pas l'élection. C'est comment ouais procédure électorale là avancer en Haïti. Mon cher, très dubitable parce que c'est, mais c'est comme ça le toujours. Et me penser fois ça parce que nous te gen espoir ta pral gen amélioration, franchement ou pas qu'on est, nous douter en pile au sujet de fiabilité processus électoral là. Donc et nous-mêmes c'est ça nous promet et peuple là, oui. Peuple haïtien avec Jephté Lucien comme étant président numéro 108 ou quelqu'un président qui prend un engagement pour faire bagaille qui doit pour combattre abus de pouvoir, pour combattre fraude électorale, pour combattre
violence. Donc nous-mêmes ça nous pas un contrôle sur ça mon a fait, mais nous un contrôle sur stratégie que nous mettez sous pied pour que peuple là qui remet nous que nous vole en pile, nous investit là-dedans, li pral voter nous et nous pral faire Jean Ovlea yo compter votre nous. On nous fait un petit auto-sondage de nous-mêmes personnellement sur 52. Comment ouais parmi 10 premiers arrivés, c'est qui position ou même ouais tête. Plusieurs sondages faits, je mettais quelques 8e, 7e, 10e, c'est qu'il y a plusieurs sondages qui pas même mettait, mais ça me connaît c'est que qualité monde, groupe de monde que me travaille en pile ensemble avec yo, il est de connaissance commune que c'est yo même qui votait. Question de élection en Haïti, chers téléspectateurs. Alors, on a continué sur la page élection. Nous n'avons pas manqué que quand pile bulletin, nous voyons que des décisions qui prennent côté que le conseil électoral, vous voyez, à imprimer bulletin dans l'autre pays, etc., etc. Et je connais que il y a des grands imprimés en Haïti qui ont très grand renommé, qui sont capables justement de travailler sur la question de bulletin. Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet ça? Pour quelle raison exactement vous pensez que le bulletin est obligé à l'imprimer dans l'autre pays? Bon, raison ça, je ne sais pas parce que c'est le conseil là ou bien le porte-parole qui a été fait pour tes précisions. Mais je ne sais pas un bref et rapproche. Est-ce que c'est un souci pour sécuriser le format que le bulletin ça a fait là? Ok. Aucune idée parce que le conseil là n'a pas arrivé à répondre moins en ce sens. Okay. Est-ce que c'est un souci économique tout que tu as capi bon marché là jusqu'à date? Et bah, il n'y a aucune information qui m'a capoté en ce sens. Mais en fait, il y a certains que bulletin yo yo rentré effectivement en Haïti, yo sur place, et qui fait prêt pour l'élection. Mais il y a l'autre part, moi-même personnellement, je me dis à titre personnel, impression bulletin yo à l'extérieur, l'état pour moi, yo forme que toute forme de magouille que t'as qu'à dire un bulletin qui. Mm-hmm. Qui est en circulation avant ou après, parce que son dossier qui est très sensible, okay. Les cas évités. Parce que yon grain de bulletin, deux grains de bulletin qui manquent, non décompte les affaires, décompte l'après élection, ou bien avant élection, yon deux grains de bulletin en plus, compte pour changer toute procédure là, et même qu'à éliminer le bureau de vote là, selon la procédure qui est adressée et légalement. Okay. Et jour, dans la journée élection. Okay. De ce fait, moi, son dossier qui est très sensible. Bon, si ce n'est pas moi de sécurité ou bien pour précaution, pour éviter un série de fraude, c'est bien. Mais dans un esprit ou l'autre. Yes, allez. Merci Marcelin, merci encore, chers téléspectateurs. Merci aussi à notre invité du jour, notre ami, notre bon ami, justement, qui est là avec nous dans le studio. Nous, on a partagé quelques connaissances. Et merci à vous aussi, à vous, chers téléspectateurs, qui étaient des peu séquents pour passer à l'émission. Ça. Et on a rappelé, jusqu'à ce qu'on allait plus loin, nous. Si vous voulez vraiment voir la vie, on l'autre façon. Si vous voulez couler la vie sous l'horizon, et prenez tout pas tout le monde, c'est nous. Les portes d'information, quelles que soient alliées. Pensez, vous gardez, au fil des pages. Pensez, vous gardez, oh 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 oh. Pensez, vous gardez, au fil des pages. Pensez, vous gardez, aïe aïe aïe. Actualité profil, c'est bagaille sans. Ma sortie confirmée, profil des pages souvent. Oui, nous d'accord, pas bon trouble. Au fil des pages, moi, son idole. Oui, d'accord, pas bon trouble. Au fil des pages, moi, son idole. Pensez, regardez, au fil des pages. Pensez, regardez, oh, 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 oh. Pensez, regardez, au fil des pages. Pensez, regardez. Pour fil des pages, Andy Mastouti, depuis que je suis net là, son seule émission me garde. Pour fil des pages, aïe. Il n'y a pas de doute que l'art atteint sa plénitude quand la bonne poésie se met en symbiose avec la musique. C'est exactement ce que Creative NYC et Combat Guide vous proposent le samedi 5 décembre. Au menu, la poétesse Kerta George et la formation musicale Skacha No. 1 de l'inégalable Cubano.
dès 9h30, les amants et faits connaisseurs de l'art seront attendus à Chemiret Restaurant, logé au 170 Fosse Avenue, Westbury, New York. Admission, $40 à l'avance. Pour info, appelez au 718-949-77-72, 347-539-62-33, 516-351-19-98, 516-351-19-99. Croyez-moi, la fête sera belle. Alors, chers téléspectateurs, nous croyons que tous les téléspectateurs ont un grand sujet, ont une grande actualité qu'ils attendent. Pas vrai? C'est une question de Woody et Wichel. Mais avant de rentrer dans Woody et Wichel, on fait une brève annonce. On a invité la communauté haïtienne n'a pas ici, spécialement la communauté côte-féroise qui vit dans le pays États-Unis. Et dans un grand concert, une levée de fonds qui a fait pour l'église Saint-Joseph. Qui c'est Saint-Patron commune Côte de Fer, le 31 octobre. Et le lever de fonds, ça, à la fête, c'est dans le cadre préparatif que traditionnellement, il est habitué à faire une semaine charismatique avant la fête. La semaine, ça, elle est sortie du 10 mars pour arriver le 19 mars dans la commune. Là. Mais l'année, ça, elle est sortie du 10 au 18 mars dans la commune Côte de Fer, côté Abgain prière, Abgain intercession, Abgain. En pile intervention, en pile miracle, en pile monde qui a venu et y a prié à maladie chaque après-midi et également ceci pour faire fête ça plus grandiose, pour jouer un moyen pour réaliser li et gain un levé de fonds qui a fait et par un groupe qui c'est groupe comité apostolat quoi qui responsable et pour faire concert ça et le 31 octobre ici dans Polish club ici pas bon dans la côte New York égal y a tant tout le monde spécialement ou même qui monde Côte de Fer ou même qui monde dans sud-est ou même qui monde Akin parce que c'est même communauté et n'a tout autour communauté ça li grandit parce que li était censé en communauté à 6 sections d'après nouvelle arrêté présidentiel là passé à 7 sections côté on vient ajouter Franchipane sous li qui était plus sous commune Akin qui vient rejoindre Côte de Fer même là était petit pas en pile mais c'est fait par président Michel Joseph Martelly mais par contre nous pral joindre dans concert ça tout une Côte de Fer venir en grande foule admission à $50 US et bon garanti grand pile mon t'a dit $50 ici qui va joindre 250 gouttes là va nous va gagner $250 ici de ce fait et nous qu'a dit son bail cap à la portée toute communauté côte-féroise là pour ta venir assister li partager li avec nous et n'a très bien recréé nous ensemble et pour faire suite on carré le numéro de téléphone qui a passé en bas écran et pour joindre contact pour joindre cap et relé parce que réservation est très limitée et pas gain en pile monde en forme pour ta et en combo pour danser ap gen un jazz qui là un DJ tout que nous faisons surprise dans leur venir après égal n'attend nous en grand nombre vinn participer dans programme ça qui c'est 31 octobre à partir de 8h du soir il a commencé à 8h moun qui premier arrivé yo il a jeune cadeau égal de ce fait n'attend nous ap gen un raf avec ticket yo qui a participé côté moun ap gen des prix égal en pile surprise moi même ticket pas m'nal déjà là égal payer $50 US money déjà ou même dégager on veut payer. Alors j'étais le spectateur comme tu parlais de tout à l'heure une grande histoire qui a déroulé justement et ça on est capable annoncer mon pour le moment c'est que Wichel lui-même ici à New York. Oui, c'est très prochainement. Yes. Donc, on a une image en exclusivité. Lui ici en studio. Très prochainement. Et c'est nous dans le profil des pages pour nous pas faire de jolet. Qui gagne ça et nous pas pas le faire jolet pour nous artistes là gagne dit la banou interview non nous pour dire ça n'a essayé parce que nous déjà au courant que Woody gagne un bail interview par article nous gagne ensemble de ça dit dans interview Woody mais n'a pas
parce que nous ne pouvons pas faire parler pour parler. Justement, nous ne pouvons pas rien gagner, nous ne pouvons rien perdre. Nous ne pouvons pas détruire un artiste, sous quel que soit point. Bon, nous connaissons deux secteurs de la vie privée de l'artiste. Mais puisque l'idée, l'artiste n'a pas une vie privée, puisque l'idée, nous, plutôt qu'il était eux-mêmes, qui traitait le sujet, qui parlait, et puis nous-mêmes, nous portons le bar. Nous ne pouvons pas le mettre plus, celle, nous ne pouvons pas le chercher. Mettez parole dans la bouche personne, c'est pas rôle nous, c'est pas métier à ça. De ce fait, tant nous, dans le prochain numéro au profil des pages, on a fait le maximum d'efforts pour nous joindre avec tous les artistes qu'on a. Justement, de ce fait, dans la prochaine édition au profil des pages, nous assurerons que vous pourrez jouer une vraie histoire, Woody et Woodchild. Ah ouais? Ça, nous sommes capables d'assurer ça. Parce que nous n'avons pas gagné, nous n'avons pas tiré, ni pour, ni contre, nous pouvons mettre une vraie histoire dans la main. Parce que le travail, nous, c'est ça qui est à l'intérieur du profil de page. Sans mettre, sans mettre. C'est bien. C'est bien, la manche. Merci infiniment, Wilbert, de ce que tu as participé avec nous dans le studio. Ça, côté que nous t'as justement satisfait, fait public à content par rapport à un pile bel sujet, justement. Joël, merci à ma journée pour moi. Et merci en plus avec Maslin. Et il faut passer les jours, tout. Justement. Et il y a un pile de fois dans le choix. Et il fait plaisir. Il fait plaisir. Non seulement il fait plaisir, c'est que c'est l'élève moi qui grandit. C'est ça, c'est ça. Si je suis à Kemeni, et dans l'époque où je suis à Kemeni, nous étions sur le même quartier. Okay. Ça, c'est grandir ensemble. Il y a un paradis là. Quand même. Tu fais un pile de vagabonds à jouer ensemble. D'accord, mais je vais chercher quand même. Parce que les spectateurs, il faut que je compte tout le bagage. Je vais chercher quand même. Nous sommes ensemble, nous grandissons ensemble. Qui bon masse ça, qui est dans le domaine. C'est comme si c'est moi qui continue sur le domaine là ici. Parce que l'impôt était en branche du domaine. Et c'est un peu de difficulté. Je me dis, c'est venir. Je ne suis pas fait un peu de temps. On a allé même guetter l'école là. Mais c'est pas mauvais. Mais c'est pas mauvais. Et son professionnel averti. Et c'est un monde qui vient ici, qui fait fierté, moi. Ça va dire que j'en ai même là, moi aussi jeune, même vieilli. Mais ma soeur n'est pas aussi jeune, ni vieilli. Mais il fait plaisir que mon émission. Que je dis, c'est moi qui devant la caméra et que lui-même lui derrière la caméra. Il garde son plaisir et pour te ensemble. Très bien ça. Maestro. Yo, yo, yo. It's Woody Wood Boy. And we change. Les problèmes yo ap débordé pour faire comprendre réalité que dans la plan qu'on mordé les nous pas cal non reste résien pour pas te cordé mine plus maturité ou rend l'esprit pas bonné pour se premier là qui fait moi con gou l'amour tout imagine passe rare ou faire les cives les ou plave dire prend pilon pile pour on pile cives et respect pas même pas n'en tricher avec devant amis devant famille pas m'afficher ma veau l'amour pour c'est un sentiment fondamental qui fondé à corps qui fondé à non mais qui fondé à mental t'aime chasser en jalousie sentiment sale yam vin romantique et moins vin très sentimental choisi mettre l'amour comme booster les courants jalousie vin faible sentiment pour moi moins prêt pour m'enfermer même dans l'enfer des
c'est femme moi. Non moi. Faiblesse moi. Force moi. Richesse moi. Merci infiniment, Wilbert. Et merci aussi à vous, chers spectateurs. Merci, Marcel, notre producteur. Merci à tout le monde que nous connaissons, que nous connaissons bien, nous connaissons que nous remettons en pile, même si nous remettons mamie, nous connaissons que nous remettons en pile, nous toujours garder Shoa, ou même qu'après nous, même qu'après encourager nous, parce que ça fait nous fier, ça fait nous continuer le travail pour nous porter de bonnes choses pour nous-mêmes. Et nous croyons que ce n'est pas la dernière fois, nous, avec Wilbert. Quand même, très prochainement là-bas avec nous. On a profité de saluer Marc Desilmé, Sylvestre Renoir, France d'Orsainville, Moïse Gartreau. Nous saluons avec respect et continuer Kembe Media ici aussi à New York. Alors, chers téléspectateurs, merci encore une fois. Namzio, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission, une nouvelle expérience.